n'avait pas une tête d'ampoule, mais une tête bien faite. Des yeux de biche, une bouche en cœur, l'oreille musicale, un corps des Alpes, le pied marin, des doigts de fée, des jambes en coton, des cheveux en pétard, une imagination débordante. Et elle racontait: j'ai vu une poule danser avec une ampoule sur une télé allumée. J'ai vu une danseuse parler avec une agrafeuse sur un balai. J'ai vu un lion à l'aube qui avait changé de robe faire la course contre Sébastien Loeb. J'ai vu un poney qui caracolait devant une grenouille qui mangeait des nouilles. J'ai vu une reine de cœur au cœur brisé qui se consolait avec un hula hoop endiablé. J'ai vu un carambar qui chantait du Mozart, mais le malabar n'appréciait pas son art. J'ai vu un cerbère qui mangeait un grand-père qui buvait de la bière en parlant à l'envers. Quelle bière bonne! Je merci. J'ai vu un suricate qui mangeait des cartes, il en a tellement mangé qu'il a éclaté. J'ai vu un super-héros qui jouait au bingo, gagnait le gros lot. Le 1, le 9, le 10, le 5, le 8, le 7, le 2, le 3, le 6. Bingo! J'ai vu un robot qui dansait devant une pompe à essence avec aisance. J'ai vu un dragon qui jonglait avec un bonbon tout en mangeant un ballon. Ce qu'elle nous racontait, ça nous plaisait car elle nous faisait rêver.